Oui. On va essayer de les faire apparaître. Ça marche. Enfin, il y en a 3 ou 4. Oui, bien bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette conférence dans le cadre des Journées de l'économie. La thématique d'aujourd'hui, on va en parler jusqu'à à peu près 15 heures. On partira sur quelques échanges si vous avez des questions à poser aux intervenants. La thématique mobilité et numérique, le retour des villes forteresses. Alors c'est vraiment au cœur de la pollution qui est un des grands enjeux politiques en ce moment. Si on prend l'exemple de la ville de Lyon, elle expulse petit à petit la voiture du centre-ville, mais finalement qu'en est-il de ceux qui vivent en périphérie, ceux qui pourtant s'y rendent tous les jours pour y travailler? Quel est le quotidien de ces territoires ruraux? On va le comprendre aujourd'hui. Et pour la plupart, ils n'ont pas les mêmes contraintes que les citadins, que ceux qui vivent en centre-ville. Autour de Lyon, voilà, quand on veut se rendre en ville, tous les jours, c'est un petit peu le même refrain. Bouchons, ça empire, difficulté d'accès à Lyon, retard, routes saturées, une situation qui finalement se complique réellement. Quelles solutions, finalement, existent aujourd'hui? On va essayer d'en trouver, ou en tout cas de les soulever, ces solutions, avec nos 4 intervenants aujourd'hui, Éric Charéron, le directeur prospective mode et de vie et mobilité dans les territoires chez Keolis, qui est spécialiste du transport des voyageurs. Bonjour, monsieur Charéron. Bonjour. Jean Coldefi, qui est à côté de nous aussi, expert indépendant et chargé de mission mobilité numérique. Bonjour. Bonjour. Accompagné également d'Yves Crozet, professeur émérite de sciences politiques à Lyon, au laboratoire aménagement, économie, transport. Bonjour. Et on va vous donner le micro dans quelques instants. Et puis on termine avec vous, Pierre-Jean Zanettacci. Vous êtes le président de la communauté de communes du pays de l'Arbrel et maire de l'Arbrel. C'est une commune qui est située à environ 30 km au nord-ouest de Lyon. Et vous allez nous expliquer un peu plus tard dans cette conférence la situation aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. On va ouvrir tout de suite cette conférence. Avec vous, Yves Crozet, on va essayer vraiment de déjà justifier un petit peu le choix de ce terme de ville-forteresse. Finalement, qu'est-ce qu'on entend par ville-forteresse? Bien, merci, bonjour à tous. On a quelques slides, je pense qu'elles vont, apparaître. Effectivement, le terme de ville-forteresse, ce n'est pas un terme consacré, c'est quelque chose qui nous est venu avec Jean quand on a pensé à cette table ronde. Parce que la notion de forteresse a deux sens. Nous, on entend souvent sous le sens de la forteresse qui repousse, la forteresse qui exclut, ce que vous avez ici avec l'exemple de l'Alhambra. On a quelque chose d'une vision négative. La forteresse, c'est plutôt une menace. Et donc, c'était implicite dans ce que vient de dire Marie, sur l'idée que si la ville de demain se barricade en interdisant les voitures, par exemple,
en commençant par les diesels, puis les voitures thermiques, puis pourquoi pas toutes les voitures, si la ville met en place un péage urbain ou des outils numériques qui vont empêcher une grande partie de la population de rentrer dans cette ville devient une forteresse et ça devient une menace. Mais n'oublions pas que la définition même de la forteresse, c'est le contraire. C'est une chance. C'est-à-dire que c'est un lieu fortifié, mais pour défendre un territoire. Et donc ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la forteresse, c'est-à-dire ce n'est pas ce qui se passe au centre-ville, ici, entre Rhône et Saône, c'est ce qui se passe sur l'ensemble de l'agglomération, de l'aire urbaine. Et vous savez peut-être que France Stratégie a publié il y a 2 ans une étude sur les métropoles en France, qui sont très dynamiques, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble, Strasbourg, etc., où se crée l'emploi. 80% de la richesse en France vient des villes, et des métropoles au sens large, hein, pas des centres-villes. Et France Stratégie a montré que parmi les métropoles françaises, certaines étaient des métropoles « vampires », entre guillemets, qui aspiraient, c'est-à-dire qui avaient tendance à vider l'activité du territoire autour d'elles. C'est le cas, par exemple, de Grenoble et de Toulouse. Et que vous aviez, au contraire, des métropoles qui diffusaient l'activité autour d'elles. C'était le cas, notamment, de Lyon. Et donc, si on transpose cette approche dans la logique de la mobilité, pour la mobilité des personnes, qui, je vous le rappelle, est encore très largement aujourd'hui une mobilité automobile. Si on enlève Paris, plus de 80% des Français aujourd'hui qui utilisent un mode motorisé pour aller travailler le font en voiture. Et si vous enlevez Lyon, on est à plus de 90%. Voilà, à Marseille, par exemple, c'est 8% seulement des actifs qui vont travailler en transport en commun. À Lyon, c'est 15%, c'est un petit peu plus. Voilà, donc l'accès à la ville est un véritable casse-tête aujourd'hui, pour beaucoup. Alors quand je dis la ville, c'est, encore une fois, ce n'est pas le centre-ville. Hein. Ça peut être quelqu'un qui habite à Montluel et qui va travailler de l'autre côté. Donc l'idée, c'est que cet accès à la ville devient de plus en plus compliqué pour la mobilité, pour habiter, trouver un emploi. Et en plus, il y a la pollution. Vous savez que la France a été condamnée le 24 octobre par la Cour de justice européenne de Luxembourg pour manque d'action. Du fait de haut niveau de monoxyde d'azote et de particules dans des villes comme Paris, Lyon, une dizaine de villes en France. Donc comment est-ce qu'on peut traiter cette question-là? Quels sont les risques pour les habitants de voir apparaître cela? Et vous voyez bien que pour jouer sur l'aspect menace ou opportunité, on entend aussi beaucoup de choses sur le numérique aujourd'hui. On nous dit que le numérique va être une solution, nous aurons tous des applications qui nous permettront de sauter d'un vélo en libre-service à une trottinette, puis au métro, un taxi, une voiture en libre-service. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va se développer, qui va permettre de faire face aux contraintes qu'on va mettre, par exemple, sur l'usage de la voiture individuelle? C'est ce qu'on appelle la mobilité servicielle. Est-ce qu'au lieu de posséder une voiture qui nous permettra d'aller de chez soi au travail, on va avoir une sorte d'abonnement à plusieurs modes de transport et qui nous permettront d'aller de chez soi au travail, mais peut-être en combinant différents modes de transport? Et là, effectivement, la ville qui devient une forteresse empêchant la voiture de rentrer pourrait devenir une opportunité parce qu'elle offrirait beaucoup de services. Donc vous voyez, entre l'idée de la menace et l'idée de l'opportunité, il faut qu'on regarde un petit peu comment les choses se passent. Juste quelques chiffres pour comprendre déjà que l'aspect forteresse existe. Les données de l'indicateur INRIX vous disent qu'en moyenne, voilà, les Parisiens qui prennent leur voiture par rapport à une circulation fluide normale, eh bien, ils perdent en gros une heure par jour, 237 heures par an, une heure par jour ouvrable, et que la vitesse sur le dernier kilomètre est faible. 14 km/h, au passage, 14 km/h, c'est bus, c'est 3 fois plus que la marche à pied. Donc quand on se demande pourquoi des gens restent dans les embouteillages, ben, c'est parce qu'ils vont quand même 3 fois plus vite qu'à pied. Alors ils vont moins vite qu'en métro, ça c'est vrai. Vous voyez Bruxelles, voyez Londres, toutes ces villes européennes sont des villes où le temps de parcours est augmenté du fait de la congestion. Une chose importante pour savoir pourquoi la voiture pose problème, c'est pas seulement par rapport à la pollution, on va voir les chiffres ensuite, c'est aussi par rapport à l'occupation de l'espace. C'est-à-dire que on a vu aujourd'hui qu'aux États-Unis, vous avez eu des développements rapides de Uber, de Lyft, des taxis relativement bon marché, qui se sont beaucoup développés. Les études de nos collègues américains ont montré que ça avait provoqué de la congestion, et non pas réduit. Parce que vous avez des personnes qui ont quitté les transports en commun pour aller vers les taxis.
ce qui a augmenté la circulation automobile, et comme les taxis s'arrêtent pour charger ou déposer une personne, ça a augmenté la congestion. Donc on s'aperçoit bien que remplacer une voiture individuelle par un taxi avec une seule personne à bord, ça ne change rien. Peut-être un peu moins de pollution si la voiture est électrique, mais ce n'est pas souvent le cas. Ça l'est souvent avec les Toyota Prius aux États-Unis. Ce qui est important, c'est la consommation d'espace. Si vous remplacez une automobile par un piéton, eh bien vous voyez le gain, vous gagnez à peu près 5 fois, vous consommez 5 fois moins d'espace entre un piéton et une automobile. Et puis si vous prenez un autobus qui est relativement bien rempli, eh bien vous avez un écart là aussi extrêmement important. Donc la question de la consommation de l'espace devient importante. C'est pour cela que l'automobile pose problème en ville, la pollution, mais même si toutes les voitures sont propres, mais s'il y en a autant, on aura autant de congestion. Voyez pourquoi la France a été condamnée. Eh bien, voyez les dioxydes d'azote, et, j'aurais dû mettre les monoxydes d'azote, les NOx, les niveaux n'ont pas beaucoup baissé pour Paris sur les années récentes, alors que, par exemple, le soufre, il a pratiquement disparu parce qu'il a disparu des carburants. Donc le dioxyde de soufre a disparu, le monoxyde de carbone a beaucoup baissé, mais vous voyez que les particules, des niveaux 10 ici, on aurait pu mettre les 2,5 microns, elles ont aussi pas suffisamment baissé. Et c'est bien pour cela qu'il y a un problème. Voilà, je vais m'arrêter là et redonner la parole à notre présidente. Modératrice, ça suffit pour aujourd'hui. On va s'adresser tout maintenant à vous, Pierre-Jean Zanettacci. Vous êtes le président de la communauté de communes du pays de l'Arbrelle, maire de l'Arbrelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va le resituer un petit peu. On va essayer de mettre une carte, oui, effectivement. Voilà, c'est au nord-ouest de Lyon, à peu près. Oui, alors on va attendre que la carte arrive, je ne sais pas. Environ 30 km de Lyon. Une carte doit arriver. Oui, d'accord. Oui. Voilà, c'est bon. Oui, d'accord, c'est bon. Je voudrais juste que la carte arrive. Voilà. Donc, comme on va juste essayer de savoir un petit peu, de comprendre quelle est votre réalité, votre quotidien, enfin, pas la vôtre, mais en tout cas celle des habitants du territoire du Pays de l'Arbrelle. Voilà, donc effectivement, le territoire du Pays de l'Arbrelle, c'est le territoire qui est en bleu sur la carte. En vert, c'est la métropole. Donc, vous voyez qu'on jouxte juste la métropole au nord-ouest. Avec des axes structurants qui nous ramènent sur la métropole. On a l'autoroute A89 qui a ouvert il y a une dizaine d'années maintenant, et un raccordement qui s'est fait tout dernièrement entre l'A89 et l'A6, qui emmène donc les gens directement sur Fourvière et l'entrée de Lyon. Et également donc deux autres dessertes ferroviaires, j'en parlerai tout à l'heure, donc qui desservent la gare de la Part-Dieu, de l'Arbrelle directement, et une autre qui dessert la gare Gorgelou-Saint-Paul. La problématique qu'on a sur nos territoires, donc la communauté de communes, c'est 17 communes, c'est 37 000 habitants, et c'est à peu près 57% des actifs du territoire qui travaillent dans la métropole lyonnaise, c'est-à-dire qui descendent tous les jours à Lyon. Inversement, il y a aussi des flux inverses, et on a aussi des populations de la métropole qui viennent travailler sur nos territoires et qui représentent à peu près 6% des emplois proposés sur notre territoire. Il faut savoir que sur nos territoires ruraux et périurbains, la voiture reste pratiquement l'unique mode et l'unique solution proposée pour les déplacements. À titre indicatif, il faut savoir que sur nos territoires, la moyenne de possession des véhicules, c'est 1,78 véhicules par ménage, alors que par comparaison, par exemple, dans la métropole, c'est 1,25. 85% des habitants de la CCPA qui travaillent donc sur Lyon se déplacent en voiture. Alors, je parlais tout à l'heure d'une double desserte ferroviaire, qui est intéressante, évidemment, puisque le tram-train de l'Ouest lyonnais qui dessert directement notre territoire sur Gorgelou-Saint-Paul est très attractif. C'est une desserte sur nos territoires de une desserte tous les quarts d'heure en heure de pointe, et en, on va dire, 30 minutes, vous vous trouvez donc au centre de Lyon. Donc c'est intéressant. La deuxième ligne, c'est qui dessert directement la Part-Dieu, c'est la ligne qui fait Paris-le-Monial-Lyon, et qui pose quand même quelques soucis techniques et qui, justement, engendre des difficultés de fréquentation, puisque les gens, quelque part, par rapport à la fiabilité de la ligne, hésitent de temps en temps à prendre cette ligne. La problématique des trains, c'est bien évidemment pour nous, territoire, donc les possibilités de rabattement et les possibilités de pouvoir stocker les véhicules aux approches des gares.
Les trois gares du territoire qui sont la gare de Saint-Bel, la gare de l'Arbrel et la gare de Lantilly, quatre maintenant mais avec Fleurieux sur l'Arbrel, on a été obligé de les doter de parking et qui sont à peine construits, tout de suite saturés, et à peu près sur notre territoire c'est à peu près 700 places de parking qui sont proposées sur la desserte des gares. Pour nous territoire, donc on est obligé d'accompagner ce développement par ces créations de parking, qui n'est pas sans poser problème, parce que d'abord il y a une consommation foncière qui peut être importante et qui, justement, sur nos territoires ruraux, périurbains, est vraiment vue d'un très mauvais œil de l'État, c'est-à-dire qu'on nous oblige à limiter notre consommation foncière. Et également, donc, ça pose aussi le problème de la saturation de ces parkings qui après s'étendent dans les centres-villes et qui engendrent pour les collectivités comme l'Arbrel, comme l'Antille en particulier, des coûts indirects puisqu'il faut absolument après se préserver des stationnements tampons. Donc organiser des politiques de stationnement avec des zones bleues, avec des ASVP. Donc c'est toutes des choses qui coûtent cher pour nos collectivités. Donc ça c'est au niveau des dessertes de ferroviaire. En termes de transport en commun, bus, on n'a qu'une ligne régulière qui descend sur Lyon avec 9 dessertes journalières. On n'est pour l'instant pas affilié à la politique de déplacement du Citral. Vous savez que la loi LOM va conférer aux EPCI donc cette politique transport dans quelques temps. La loi est en cours de vote. Je crois qu'elle a même dû être votée aujourd'hui. Je crois, il me semble bien qu'elle est passée à l'Assemblée aujourd'hui. Donc on aura la problématique de nous se mettre sur le Citral. Ce que je veux dire, c'est que quand vous disiez, professeur, tout à l'heure, qu'il était intéressant, effectivement, d'être adossé à une métropole riche et dynamique, oui, je partage. C'est vrai que, quelque part, le développement économique de notre territoire est intéressant, puisque, on va dire, par effet un peu de ruissellement, on récupère quelques entreprises qui n'auraient pas eu connaissance de nos territoires si on n'avait pas été à proximité de la ville de Lyon, c'est bien évident. Il y a quand même un effet indirect aussi, quand même, et inverse. La métropole, quand même, aspire aussi également beaucoup d'emplois sur nos territoires. Et si je disais tout à l'heure que 57% de nos concitoyens travaillent sur la métropole, c'est parce qu'ils y trouvent cet emploi. Et ils travaillent sur la métropole, mais ils travaillent aussi de l'autre côté de la métropole. Et c'est aussi... Il y a 15% de nos concitoyens qui travaillent dans l'Est lyonnais, donc qui contournent ou qui traversent la métropole tous les jours. Ce qui n'est pas non plus sans poser problème. La problématique qu'on a également, donc quand je vous disais qu'on avait à peu près 84% des gens qui se déplacent en voiture, c'est cet aspect forteresse dont vous parlez, où on a l'impression effectivement que la métropole va essayer de sortir ses voitures de Lyon, et je comprends qu'elle veuille le faire. Je vous disais tout à l'heure que l'autoroute était un des moyens d'accès privilégié sur la métropole. Vous savez, donc le déclassement de la 6 va entraîner donc une politique modifiée de ce mode de déplacement avec des créations de files de covoiturage pour inciter les gens à covoiturer. C'est plutôt pas mal, sauf que le covoiturage se reporte sur les territoires périphériques. On est tous les présidents de PCI concernés. Là, on est en train de travailler avec la métropole, justement, pour voir comment on peut régler ce problème. Parce que les voitures vont rester, en fait, en dehors de la métropole, stationnées sur nos territoires et descendre après. Donc, c'est des aires de covoiturage qu'il faut créer, c'est du foncier qu'il faut trouver, c'est des moyens financiers qu'il faut mobiliser pour pouvoir satisfaire un peu la demande de la métropole de freiner ces voitures qui rentrent sur Lyon tous les jours. Voilà, donc ça, c'est les premières problématiques. Après, on en a quelques autres, en particulier sur la consommation du foncier, les populations qui sont obligées de sortir de Lyon pour se loger, souvent aussi. Il faut savoir aussi que la métropole chasse quand même une partie de ses habitants en périphérie. C'est un constat. Donc, les gens, pour se loger, viennent sur nos territoires. Ils le font soit par agrément, c'est-à-dire que quelque part, ils ont les moyens de venir sur l'ouest lyonnais par confort, chercher un cadre de vie confortable. Mais d'autres le font aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi de trouver en centre-ville ou en métropole proche des logements accessibles à leurs moyens. Et donc c'est des populations qui viennent sur nos territoires, qui transforment un petit peu nos cités périurbaines un peu en ville dortoir, avec nos difficultés pour nous de concilier donc, quelque part la gestion de tout ça. Et c'est quoi ? Quand le couple travaille sur la métropole, c'est pour nous... territoire, charge d'enfants, garderie, cantine,
Et des populations qui ne sont pas forcément les plus aisées, qui viennent enrichir nos territoires. Donc voilà, c'est un peu cet enjeu qu'on a. Il faut savoir aussi que la métropole, je crois, est consciente aussi un petit peu de ça, puisqu'il y a quand même des contrats de réciprocité qui sont en train d'être établis entre la métropole et nos territoires. On est en train de discuter, en particulier sur les mobilités et sur l'agriculture, puisque par contre, la métropole est très intéressée par nos territoires pour justement tout ce qui concerne donc la problématique alimentaire et la production de produits à consommer en métropole. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Peut-être pour compléter, avant d'essayer de parler de solutions qu'on pourrait apporter à ces problématiques-là, est-ce qu'il y a des urgences sur votre territoire, ou plutôt des impasses aujourd'hui que vous rencontrez ? Concernant, évidemment, les problématiques de transport. Les urgences qu'on a, c'est ça, c'est qu'en fait, quelque part, on est tous d'accord pour sortir l'usage du véhicule. On veut tous réduire les empreintes carbone, les consommations, la pollution, etc. Le problème, c'est que on n'a pas les moyens, nous, sur nos territoires, de développer du transport en commun attractif, régulier. On est sur des territoires qui sont quand même périurbains, mais voire même ruraux, où les gens donc partent, je ne sais pas moi, à 6 heures du matin de leur petit village à la dernière extrémité de la petite tache bleue, là, qui rejoignent la. Donc ils vont aller, si vous voulez, prendre un lieu en voiture, vont aller prendre un lieu où ils vont pouvoir avoir un bus. Le bus va les descendre, s'il existe, à la gare de l'Armbrelle. Ils vont prendre un tram-train qui va les emmener à Gorge-de-Loup. La plupart vont peut-être prendre un métro, puis après un bus. Voilà, donc ça, déjà, vous rendez compte les aléas qu'il peut y avoir sur ce trajet. Les gens ne peuvent pas se permettre d'arriver systématiquement ou tous les jours en retard, c'est pas possible. Et la deuxième problématique, et c'est souvent le cas d'ailleurs sur la ligne de la Part-Dieu sur qui remonte chez nous, le train avec le nœud ferroviaire lyonnais là, qui est en grande discussion actuellement, et toutes les problématiques que connaît la gare de la Part-Dieu pour faire circuler tous ces trains, les TER sont souvent les premières victimes des retards de trafic, ce qui fait que quelque part, les gens à 18h ou à 18h30, quand ils viennent prendre leur dernier train pour remonter, et que le train est annulé ou est très en retard, ils viendront le prendre une fois, deux fois, et après ils ne le prennent plus. Et après ils prennent la voiture. Voilà, donc c'est tout ça. C'est en fait la problématique de nos territoires, c'est la fiabilité des transports en commun pour aller justement accéder à un poste de travail. Qui n'existe pas en métropole, quand vous avez le métro et les TCL, enfin les bus, ça n'existe pas. On va donner la parole à présent à Eric Charéron. Vous êtes directeur prospective, mode de vie et mobilité dans les territoires chez Keolis, donc spécialiste du transport des voyageurs. Vous connaissez bien la sociologie, on va dire, de ces voyageurs. On va demander quels sont les besoins, déjà, que peuvent avoir ces personnes qui vivent sur ce genre de territoire. Oui, merci. Je n'ai pas de slide, merci. Une première remarque peut-être d'abord pour rebondir sur les notions de métropole, et notamment par rapport à la première vision de la ville-forteresse. Il faut savoir que si on prend l'aire urbaine de Lyon, c'est-à-dire telle qu'elle est définie aujourd'hui, et si on prend le même périmètre en 1968, donc en 50 ans de temps, elle a gagné 800 000 habitants. 800 000 habitants. 500 000 habitants se sont installés hors métropole. C'est-à-dire se sont installés dans les communes dites périurbaines pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, d'agrément ou de pas agrément, mais 500 000 habitants de plus, au total, se sont installés dans ces communes dites périurbaines. Les 300 000 se sont installés dans la métropole. Lyon et Villeurbanne, c'est 20 000. 20 000 habitants seulement. C'est-à-dire que sur cette aire urbaine qui a pris énormément d'importance, la part de Lyon et Villeurbanne dans le poids total de la population a considérablement diminué. C'est pas parce qu'il ne s'est pas construit de logements. Il y a 70 000 logements qui ont été construits sur la commune de Lyon. Mais dans le même temps, comme il y a de moins en moins d'occupants par logement, ce qu'on appelle le taux de décohabitation par l'INSEE, parce que la taille des ménages se réduit, la population vieillit, il y a moins d'enfants, on se met en couple plus tard, il y a les couples monoparentaux. Donc globalement, malgré 70 000 logements en plus sur la seule commune de Lyon sur ce laps de temps, elle n'a pas progressé de population. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment,
la métropole, le cœur de la métropole, c'est un bien commun. Ce n'est pas une copropriété. C'est un bien commun qui doit être ouvert à tout le monde. C'est-à-dire pas seulement aux habitants qui y résident, mais c'est un bien commun à tous les habitants qui, pour une raison ou une autre, viennent la fréquenter et la font vivre. La fait vivre, je veux dire. C'est-à-dire, d'ailleurs, au passage, l'aire urbaine telle qu'elle est définie selon des critères de l'INSEE, c'est trop large pour parler de ville, comme on l'entend trop souvent. Parce que quand j'habite à Saint-Bel ou à Sarcey ou à Bully, ou que j'habite à Chazet-d'Azer ou au Bois-d'Ouin, qui sont des communes dites périurbaines, je ne suis pas en ville. Je suis dans des communes qui font 1500, 1000, 2000 habitants, comme la majorité des communes. Donc on n'habite pas en ville. Mais l'aire urbaine, c'est trop petit pour parler de l'aire d'influence d'une métropole. Parce que l'aire d'influence d'une métropole, pour les raisons affinitaires, pour des raisons d'études supérieures, de rendez-vous professionnels, de culturels, sportifs, commerciaux, ça rayonne bien au-delà. À Chauffailles ou La Clède, ça rayonne vers Roanne, ça rayonne vers Vienne ou Annonay, ça va beaucoup plus loin jusqu'à Bourg-en-Bresse ou à Mâcon ou à Tournus. C'est ça. Et donc, bien évidemment, le poids des habitants purs de la métropole est relativement réduit par rapport à l'aire d'influence et les habitants qui habitent au-delà. Et ça, je pense que c'est une notion essentielle de se dire qu'il faut penser réellement la politique des déplacements et de la mobilité vraiment en s'affranchissant que des seules frontières institutionnelles. Alors, le troisième point donc, qui est lié à ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, les caractéristiques des personnes qui habitent dans la communauté du pays de l'Arbrelle. Alors, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans la ville de l'Arbrelle, comme dans d'ailleurs beaucoup de villes qui sont de taille petite, on pourrait dire les petites villes de France, hein, il y a plus d'emplois qu'il y a d'actifs qui travaillent et qui habitent dans la ville. Et on oublie de le dire. Et que c'est assez amusant, dans la commune de l'Arbrelle, il y a plus de gens de l'extérieur qui viennent y travailler que de gens qui partent pour aller travailler ailleurs. C'est-à-dire que le mouvement que vous évoquiez en disant qu'il y a aussi des gens qui viennent de la métropole de Lyon, mais l'Arbrelle joue aussi, bien évidemment, un rôle aspirateur, en quelque sorte, pour les communes qui peuvent être autour ou d'un peu plus loin, mais aussi de gens qui sont dans la métropole lyonnaise. C'est quand même assez fascinant de savoir que vous avez à peu près 3000 emplois à l'Arbrelle, 700 sont tenus par des gens qui habitent l'Arbrelle, il y en a 2000 qui vont travailler ailleurs, et il y en a 2400 qui viennent de l'extérieur pour travailler à l'Arbrelle. Donc c'est bien, les problèmes de mobilité, c'est bien un problème à double sens, hein, bien évidemment. Alors ceux qui vont dans la métropole de Lyon, le problème auquel on est confronté d'abord pour les flux domicile-travail, c'est ce que vous avez dit, c'est l'extrême émiettement. C'est-à-dire que vous avez ceux qui travaillent dans la communauté d'agglomération de l'Arbrelle, vous avez ceux qui viennent dans la métropole de Lyon, et là-dedans, au total, sur la totalité des gens qui ont un métier et qui habitent dans la communauté d'agglomération du pays de l'Arbrelle, vous en avez 20% qui vont dans l'ouest lyonnais. 20%. C'est-à-dire que c'est presque autant que ceux qui vont dans c'est Lyon, Villeurbanne, Bron, Vénissieux. Autant. Et bien évidemment, c'est éparpillé entre Dardilly, entre Limonest, Champagne, Craponne, Vaugneray, Francheville. Donc cet émiettement, il est très difficile à arriver à capter par les formes de mobilité classique. Donc là, on voit bien qu'il faut trouver, enfin, que la voiture est effectivement indétrônable, non seulement pour les raisons de fiabilité, quand il y a enchaînement de plusieurs modes, comme vous l'avez dit, mais aussi par cette difficulté à satisfaire les origines destination. L'autre point, à mon avis, qu'il faut intégrer, c'est que, bien évidemment, d'abord, tout le monde ne travaille pas. C'est-à-dire que si on prend une communauté de communes, comme le Pays de l'Arbrelle, si on prend les gens qui ont plus de 14 ans, ben, quand on additionne les personnes de plus de 65 ans, les gens qui n'ont pas de travail entre 55 et 65 ans, ils sont 2000, 7000 qui ont plus de 65 ans. Si on rajoute les 14-25 ans qui sont scolarisés, les demandeurs d'emploi, ça vous fait 45% de la population, 47% de la population. Et bien évidemment, ceux qui travaillent ne se réduisent pas uniquement à aller au travail, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des besoins de déplacement autres. Ce qui veut dire que quand on pense la mobilité, et si on veut fiabiliser quelque part la demande, ben ça veut dire qu'il faut que l'on arrive à penser les déplacements pour ceux qui travaillent, mais aussi
en prenant le rythme de vie des gens sur une période d'une semaine ou d'un mois. C'est-à-dire que l'attractivité de la métropole, c'est peut-être pour aller voir un match de l'OL, c'est pour aller se balader dans les rues, c'est pour voir ma grand-mère, des copains, etc. La dimension affinitaire, elle est essentielle dans le déplacement. C'est peut-être pour des services médicaux, pour tout un tas de motifs qui sont difficilement qui ne sont pas toujours recensés, qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui se font en fait sur une période de temps un peu longue. Juste pour vous donner une indication, vous avez 7% de nos concitoyens, 7% des Français, qui font une démarche médicale dans la journée. C'est-à-dire sur une journée. Alors ça peut être pour moi, pour un conjoint, pour un enfant, mais c'est 7%. Sur la semaine, c'est 28%. Bien évidemment, ça ne se trouve pas toujours quand on habite Besnay ou quand on habite à Éveux. Bien évidemment, on ne va pas trouver forcément un dentiste, un ORL, un généraliste ou pour passer un IRM. Et donc ça nécessite de penser la mobilité, non pas uniquement sur les flux réguliers, mais aussi sur des flux qui soient beaucoup plus longs. Et c'est ça qui va faire l'attractivité d'un territoire. Ce n'est pas simplement la capacité de répondre à des besoins de domicile-travail, mais c'est de pouvoir répondre à une demande qui est beaucoup plus ample, hein, parce qu'il faut accompagner la respiration des citoyens, qui est effectivement beaucoup plus large que des déplacements réguliers sur la journée, même si c'est cela qui pose problème par rapport à la congestion, à la régularité. Mais il y a aussi tous les autres, et je pense que c'est un enjeu essentiel. Et là, les deux territoires sont liés de la même manière que dans le contresens. Vous avez des habitants de la métropole qui peuvent venir dans la communauté de l'Arbrel pour les chemins de randonnée ou parce qu'ils y connaissent des gens, tout simplement. Et c'est des éléments aussi, dans la mobilité de demain, dans le décloisonnement des frontières, il faut effectivement qu'on pense les mouvements à contresens entre le pôle métropolitain et les communautés de communes tout alentour. Voilà quelques réflexions. Alors, juste un dernier point, après, je sais que Jean va parler des solutions. Vous avez, Yves a parlé du digital. Bien évidemment, le problème, le digital, juste ça, je n'apporte pas de solution. Le digital et la mobilité, ça peut être un formidable, effectivement, levier de modernisation, de facilité pour ceux qui ont les codes pour s'en servir. Il faut juste savoir qu'au niveau mondial, dans toutes les enquêtes qu'on a faites avec l'Observatoire NetExplo, qui est un observatoire des usages mondiaux, la demande, c'est de la décélération. Ça va trop vite. 55% des gens ont peur d'être dépassés au rythme où ça va, parce que l'évolution de la technique, l'afflux de nouvelles applications qui sortent tous les jours, fait que ça devient un véritable maquis pour pratiquement 6 personnes sur 10. Y compris parmi ceux qui aujourd'hui se considèrent comme agiles. On parle beaucoup d'électronique, d'accord ? Mais les électroniques, c'est comme les illettrés, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ne savent pas s'en servir. Mais après, il y a ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est-à-dire qu'ils savent quelques choses. On sait utiliser des réseaux sociaux, de la musique, de la vidéo à stocker sur le smartphone, mais pas forcément se servir d'une appli. Et ça, c'est essentiel de le savoir. Alors je m'adresse d'autant peut-être plus facilement aux plus jeunes, que ce n'est pas si évident que ça, que le digital, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ça peut être un levier super, ça n'est pas forcément intuitif. Je rappelle, puisque je suis à Lyon, et qu'il y a 40 ans, vous avez ouvert la première ligne de métro en 78, en 78, l'année dernière, j'ai retrouvé à cette occasion-là les documents qu'avait sortis TCL pour expliquer le métro de Lyon. On disait aux gens, le métro, il roule sous terre, il ne vend pas de tickets, donc il y aura des distributeurs sur le quai. Les portes, elles s'ouvrent automatiquement, ne cherchez pas le bouton sur la porte. Il n'y aura pas de valideur dans le métro, il faudra valider sur le quai. Le conducteur, vous ne lui parlerez pas. Vous n'avez pas à chercher le bouton pour appuyer pour descendre. Les portes vont s'ouvrir automatiquement. Aujourd'hui, on vous balance un tac de dés et vous vous débrouillez. C'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps, dans ce monde de la rapidité, de l'effervescence, on ne prend plus le temps d'expliquer. Et pourtant, c'est un paramètre essentiel. Voilà, excusez-moi, j'ai... On a bien posé le sujet et toutes les problématiques. On va essayer d'y prendre un peu de recul aussi là-dessus. Avec vous, Jean Coldefy, je rappelle que vous êtes chargé de mission puis mobilité numérique. Vous êtes expert indépendant. Vous connaissez bien toutes ces questions de mobilité. Quelles solutions aujourd'hui s'offrent, par exemple, si on prend le cas du pays de l'Arbrel, pour résoudre cette problématique aujourd'hui de mobilité et de transport ?
Oui, en attendant que la présentation s'affiche. Voilà, merci, parfait. Donc, juste pour rappeler un peu le... Ça marche, là ? Oui, la métropole de Lyon, en fait, on a toujours tendance à considérer que c'est un territoire très déséquilibré. En fait, je me suis amusé à reconstituer par patatoïde les communautés de communes sur la métropole et puis l'aire urbaine. Je reviendrai sur ce que c'est qu'une aire urbaine, parce que je crois que c'est important que les auditeurs ici comprennent bien ce que ça veut dire. En fait, vous vous rendez compte que les populations à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, c'est relativement bien équilibré en termes de volume de population. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une aire urbaine ? Une aire urbaine, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans la ville-centre. Donc vous voyez que c'est quand même l'ensemble des communes qui sont relativement polarisées en termes de domicile-travail sur une commune. Alors moi, j'ai pas pris sur 50 ans, j'ai pris sur 20 ans. L'aire urbaine de Lyon, c'est plus 600 000 personnes, 200 000 sur la métropole, 400 000 personnes à l'extérieur. Donc les dynamiques de croissance sont à l'extérieur de la métropole de Lyon, ce qu'a très bien rappelé Éric Charéron. C'est plus 205 communes. Donc c'est pas forcément des gens qui ont été habités, c'est aussi des emplois, et on va le voir tout de suite avec la suite. J'ai fait cette carte-là, qui est issue de France Stratégie, c'est l'étude qu'a cité Yves Crozet. En jaune, c'est les territoires qui ont créé de l'emploi sur les 15 dernières années. En bleu, ce sont ceux qui en ont détruit. Voilà, et pas besoin de, je l'ai pas fait très grande, parce que ça se lit tout seul. Donc on assiste à un phénomène de métropolisation des emplois, des concentrations des emplois dans les métropoles. Vous rajoutez à ceci la multiplication par 3 des prix de l'immobilier dans les centres-villes et notamment sur Lyon, en 20 ans, ça produit quoi ? Ça produit ceci, un allongement des distances, donc ça c'est la carte de l'aire urbaine de Lyon, c'est très petit mais vous allez comprendre tout de suite, 68 à droite, 90 et 2011 à gauche, en blanc vous habitez et vous travaillez dans la même commune, en rouge vous faites plus de 50 km pour aller travailler. C'est exactement ce que Pierre-Jean d'Anitachi, l'histoire qu'il nous a racontée, c'est exactement la situation des pays de l'Arbrel, des gens qui habitent à l'Arbrel et qui vont parfois dans l'Est lyonnais, c'est des gens qui font, je pense, pas loin de 100 km par jour. Et donc, ceci, ça induit effectivement 80 000 déplacements par jour supplémentaires en 10 ans, effectués à plus de 80% en voiture. Il y a 250 000 voitures qui rentrent chaque jour sur l'agglomération. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? Sachant, alors le nœud ferroviaire lyonnais, il y a le débat public qui vient de s'achever, il montre que les TER en heure de pointe sur Lyon, ils sont saturés de 80 à 100%, ultra saturés. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Je vais juste repréciser ça. Aujourd'hui, vous avez une voie d'autoroute, ça vous fait 2000 véhicules heure, grosso modo 2100 personnes par heure pour une voie d'autoroute. Donc, une heure d'autoroute à trois voies, ça vous fait grosso modo 6000 personnes par heure. Les TER aujourd'hui, la fréquence, c'est 2 à 4 trains par heure, avec des trains qui font de 350 à 700 places. Donc vous avez grosso modo de 700 à 2000 places par heure sur les TER, là où la demande, elle est de 6000. Donc il ne faut pas chercher plus loin, ce n'est pas un problème de comportement, donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention sur le discours médiatique ambiant qui est de dire il y a un problème de comportement des gens, les gens sont accros à la voiture au sens toxicomanique du terme. Non, ils ont juste pas d'autre choix. Voilà. Les Parisiens, c'est la population en Europe, sans doute au monde, qui prend le moins la voiture. Les actifs prennent à 80-90% les transports en commun parce qu'ils ont le réseau de transports en commun le plus dense du monde. Une station de métro tous les 300 mètres. Donc à Paris, prendre sa voiture, c'est juste idiot. Et comme vous et moi, on n'est pas des gens idiots, on fait des choses rationnelles. Et ben, quand les solutions existent et qu'elles sont... qu'elle fonctionne et que j'ai pas 4 changements à faire, que j'ai pas des trains qui tombent en marche, j'allais dire, vous prenez le moyen qui vous paraît le plus adéquat. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est un problème d'offre d'alternative à la voiture. Donc il faudrait qu'on puisse multiplier par 2 la fréquence des TER. Voilà. Il faudrait. Alors ça c'est assez compliqué parce qu'on a un problème d'infrastructure. Le nœud ferroviaire lyonnais l'a montré. Il faut 4 milliards, ça prendra 10 à 15 ans. Et comme en France, on va certainement financer le Lyon-Turin, ce qui est assez stupide, parce que les volumes de trafic de fret entre Lyon et Turin sont à peu près ceux, Yves me confirmera, sont à peu près ceux qui existaient il y a 20 ans, donc il n'y a pas vraiment de besoin de cette infrastructure il y a 40 ans. Par contre, on a besoin tout de suite sur Lyon de financer cette infrastructure ferroviaire. Par ailleurs, voilà, les problèmes de qualité de service, les coûts de la SNCF et la concurrence n'est pas encore là en Rhône-Alpes, hélas, font que ça coûte extrêmement cher et que ce n'est pas suffisamment fiable. L'autre point, on pourrait dire, donc c'est là où on va
arriver sur les solutions, il faut agir en fait sur quatre axes. Et je pense que ce qui est important, c'est le terme simultanément. Il faut des infrastructures. Alors les parcs relais. Il faut pouvoir laisser sa voiture. Pierre-Jean Zanettacci l'a très bien dit, il y a besoin de parcs relais. Une voie d'autoroute, c'est 2000 véhicules. Donc vous imaginez, vous voulez supprimer par exemple une à deux voies d'autoroute sur A6 ou A7. C'est-à-dire qu'en une heure, il faut que vous ayez une capacité de stationnement sur cet axe de 2 à 4000 places. Voilà. Regardez les disponibilités des parkings aujourd'hui dans les trains ou les parkings relais de covoiturage. 40, 50 places. Alors, il y a Saint-Germain qui est à 400. Givors, je crois, vient de passer à 400, 500. En clair, l'offre, elle est inférieure de 40 à 50. 40 à 50. C'est vrai dans toute la France. L'Île-de-France, vous avez 15 à 17 000 places de parcs relais pour 3 millions de véhicules. Donc, c'est juste impossible de laisser sa voiture dans un parc relais. À l'Arbrel, c'est évidemment pareil. Et quand vous le mettez payant, justement, pour financer le truc, évidemment, tout le monde se gare n'importe où, sauf dans le parc relais. Donc il faut des voies réservées, et paradoxalement je pense qu'on ne va pas attendre 15 ans que l'étoile ferroviaire lyonnaise se fasse ou qu'on mette en concurrence à la SNCF et que ça produise ses effets. Le report modal viendra par la route. Il faudra un système de car express depuis les parcs relais correctement dimensionnés, suffisamment tôt, donc en amont de la métropole à 20-30 km avec des cars qui soient express, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent très peu et qui soient à très haute fréquence en heure de pointe, par exemple toutes les 2 minutes en heure de pointe pour assurer une offre alternative. Donc il faut se voir réserver sur autoroute. On voit bien les problèmes de gouvernance que ça pose en termes de qui a le droit de faire une voie réservée sur les routes. Des pistes cyclables évidemment pour les déplacements à courte distance. Ils sont importants mais ils ne résoudront pas ces flux à longue distance qui constituent l'essentiel des véhicules kilomètres aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise réalisés en voiture. Donc le problème à l'intérieur, on pourrait dire, c'est un problème de pistes cyclables et de transport en commun urbain. L'extérieur, ce n'est pas les vélos qui vont permettre à des gens de faire 50 km pour aller travailler. Donc plus de transport en commun avec des cars express, des trains, des tramways, des métros. Et puis, effectivement, le numérique, alors ce qu'on appelle maintenant mobilité as a service, mobilité servicielle, ce que Yves décrivait, accéder à l'ensemble de ces offres de manière simplifiée, c'est-à-dire le cas d'usage, c'est je pars de chez moi, je laisse mes enfants à l'école, j'ai un parc relais qui est accessible avec un pass. Avec ce même pass, je monte dans un train ou dans un car express, j'arrive à un terminal de tramway ou de métro et j'enchaîne. Voilà. Avec toujours le même pass. Donc l'intérêt de ce pass, c'est qu'il va pouvoir, je veux dire, transcender les frontières administratives entre région et métropole qui finalement, après le projet Réal, n'ont pas fait grand-chose ensemble depuis 10 ans dans cette agglomération. Et c'est un vrai problème qui aussi pourront transcender les systèmes techniques des différents système de mobilité, et puis le covoiturage qui est la grande question, on en parlait encore tout à l'heure. Moi personnellement j'y croyais, je dis bien, je parle au passé, j'y croyais il y a quelques années, je suis quand même de plus en plus inquiet et dubitatif. Ce que veulent les gens, c'est une fiabilité des temps de parcours. C'est pour ça aussi que les voies réservées pour covoiturage permettront sans doute de faire décoller la pratique, mais il convient de rester extrêmement prudent sur le fait que cette solution puisse répondre de manière massive, parce qu'on voit bien que c'est des flux, c'est pas 10 000 déplacements qu'il faut assurer là, c'est des centaines de milliers de déplacements tous les jours. Et donc on n'échappera pas à plus de transports en commun, et la vraie question, c'est le quatrième axe, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça. Voilà. Sur Lyon, nœud ferroviaire lyonnais, 4 milliards, si on voulait, au-delà de la ligne E qui est prévue, si on voulait étendre les réseaux de métro au-delà de Lyon-Villeurbanne et donc aller chercher un peu plus loin, je pense qu'on peut tranquillement rajouter pas loin d'un milliard d'euros. Il suffit de regarder les extensions qu'il y aurait à faire. Bref, quand vous faites les additions, vous arrivez à des volumes de financement qui sont extrêmement importants, que même une agglomération qui fonctionne très bien et qui est très bien gérée comme la métropole de Lyon ne sait pas financer avec les moyens conventionnels. Et donc là, c'est une vraie question. Donc en clair, si on veut faire les choses en 10 ans, et donc on répond au souci de Greta Thunberg de dire « dépêchez-vous, faites quelque chose », il faudra qu'on ponctionne le territoire, et ça passera par les entreprises et
par vous et moi, par les utilisateurs, les contribuables. Et donc, ça posera un problème. Et si effectivement on est contre ce système-là, on ira manifester avec les gilets jaunes et on fera ça en 30 ans ou 35 ans. Donc on a une vraie difficulté de trouver la bonne voie entre ces deux écueils et bonne chance aux politiques qui doivent gérer ces contradictions très fortes. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même plutôt soutenir nos hommes politiques et essayer de chercher des voies plutôt que vouloir à chaque fois taper sur l'un ou sur l'autre. Et Froze, vous voulez compléter ? Oui, pourquoi Jean est devenu pessimiste sur le covoiturage ? Parce que je l'ai connu plus jeune et plus optimiste. Donc je précise, j'explique. Vous vous souvenez sans doute qu'on a eu au printemps 2018 des grèves perlées de la SNCF qui étaient assez importantes, notamment en région parisienne, où ils sont très dépendants du transport en commun. Et donc la région Île-de-France a mis un système en place où on subventionnait le covoiturage. Donc celui qui acceptait de conduire était subventionné et celui qui prenait le covoiturage avait payé un prix minimum. On a eu, même en période de pointe de grève, il y a eu 1500 participants au système, alors qu'il y a plusieurs millions de déplacements par jour, 40 millions de déplacements par jour à Paris. Alors, on veut enlever la marche à pied, mais il y a plusieurs dizaines de millions de déplacements. Voilà, 1500. Autrement dit, c'est peanuts. Pourquoi c'est peanuts ? Parce que le covoiturage, c'est coûteux. C'est coûteux en termes de temps, parce qu'il faut que vous attendiez éventuellement le conducteur ou le passager. Et ça, vous acceptez pour Blablacar, parce que vous allez faire 400 km. Vous avez un point de rendez-vous. Si le conducteur a 5 minutes de retard ou 10 minutes, bon, vous vous inquiétez un peu, mais ça va s'arranger. Si c'est pour aller au boulot et que vous avez un patron qui ne veut pas que vous arriviez en retard, ce qui arrive parfois, 5 ou 10 minutes d'attente le matin pour aller au boulot, là, c'est plus que stressant. En plus, le conducteur qui vous emmène, il fume. Et vous n'êtes pas fumeur. Et il sent le tabac. Même s'il n'a pas fumé, il sent le tabac. En plus, il a envie de parler. Et vous avez envie de checker vos emails. Donc, vous voyez bien que ce qui se passe, c'est que la voiture aujourd'hui, la voiture individuelle, avec tous ses défauts, c'est-à-dire la pollution, la congestion, le coût, le prix que ça coûte, la voiture individuelle est quelque chose d'extrêmement attractif et d'extrêmement utile et qui coûte, ne l'oublions pas, de moins en moins cher. De moins en moins cher. C'est-à-dire qu'avec une heure de travail d'un smicard aujourd'hui, vous faites 4 fois plus de kilomètres qu'avec une heure de travail d'un smicard avant le premier choc pétrolier. Ou si on regarde les chiffres macroéconomiques, en 2007, la consommation de carburant des Français, c'était 3% du budget des ménages, uniquement pour les carburants des voitures. En 2017, juste avant les gilets jaunes, c'était 2,3%. Donc vous voyez, la part du carburant dans le budget des ménages a baissé, ce qui veut dire que la voiture, ça coûte cher. Quand vous êtes payé au SMIC et que vous faites tous les jours 100 km aller-retour pour aller au boulot, ça vous coûte plus de 10% de votre revenu. Mais pour beaucoup d'autres, la voiture n'est pas un problème de prix. Et c'est un confort garanti. Et donc c'est pour ça qu'en tant qu'économiste et donc en tant que salbrute, je dis en général aux élus, bien sûr, il vous faut du numérique. Il faut que vous ayez des outils numériques modernes. C'est absolument indispensable. Tout ce qu'a expliqué Jean sur les cartes multimodales intelligentes qui vous permettront de prendre un vélo ou un bus ou un taxi, ça, il le faut. C'est évident. Mais si vous ne mettez pas de contraintes fortes sur l'usage de la voiture, il ne se passera rien. C'est-à-dire que tout le monde restera dans sa voiture, tout le monde râlera parce que les trains sont bondés, tout le monde râlera parce qu'il y a de la congestion, parce que le prix de l'essence est trop cher, mais il ne se passera rien parce que fondamentalement, le cœur du système de la mobilité, c'est ce que nous, on appelle l'effet rebond de la mobilité, c'est-à-dire que dès que vous donnez une opportunité de se déplacer, soit plus vite, soit moins cher, soit les deux à la fois, ben immédiatement, vous voyez exploser la mobilité. Si vous allez, par exemple, vous promener du côté de Belleville-sur-Saône, vous faites le tour un petit peu de cette petite ville, là, entre Mâcon et Lyon, et vous voyez fleurir les lotissements. Et bien, tout simplement parce que le terrain n'est pas trop cher, et puis vous avez les prêts à taux zéro, enfin maintenant tous les taux sont à zéro, et puis vous avez le train qui part de Belleville et qui est en 30 minutes à Pardieu, ou il y en a aussi qui va à Perrache en 40 minutes. Donc vous avez un accès à la ville qui est extraordinaire, qui est en train. Alors évidemment, les parkings sont saturés, mais le train lui-même est un phénomène de déplacement des populations vers les périphéries. Ce qu'ont expliqué à la fois Jean et Eric, le fait que la ville grossit sur ses marges, elle grossit sur ses marges parce qu'on a fait des autoroutes, et y compris parce qu'on a fait des trains. Et donc l'effet rebond de la mobilité est quelque chose de fondamental. Et voyez bien que Jean a cité Greta,
notre égérie du changement climatique. Elle pose des bonnes questions, elle le fait de façon sans doute maladroite, mais la question clé, c'est est-ce qu'on continue ou pas à avoir une hausse du pouvoir d'acheter de la mobilité. Aujourd'hui, vous vous déplacez en voiture, tout compris, voiture, assurance, essence, c'est 20 à 25 centimes du kilomètre. Bon, si vous voulez un Ferrari, c'est plus cher. Si vous prenez un TGV pour Paris, aujourd'hui, c'est 10 centimes du kilomètre, voire plus 20 centimes les vendredis soirs. Si vous prenez un Ouigo, c'est 3 ou 4 centimes du kilomètre. Si vous prenez un avion low cost, c'est entre 3 et 5 centimes du kilomètre. Donc à partir de là, vous regardez les chiffres. Le nombre de passagers dans les aéroports français de 2000 à 2018, plus 60%. Le nombre de passagers dans les trains, plus 12, plus 15%. Le nombre de kilomètres faits en voiture, plus 20%. Tout simplement parce que ce que j'appelle la vitesse économique, le pouvoir d'acheter de la mobilité, a été augmenté très très fortement sur l'aérien. Regardez les vols low cost à Saint-Exupéry, a été augmenté en voiture grâce à la baisse relative des prix des carburants et au fait que les voitures consomment moins. Et le train, il y a le Ouigo, oui, qui a baissé un peu ses prix, mais le reste reste relativement cher, sauf pour les abonnés du TER qui, eux, coûtent 1 000 euros par mois à la collectivité, mais dépensent des sommes extrêmement faibles. Donc vous voyez bien que on est dans des situations compliquées parce que fondamentalement, la mobilité reste une valeur. Et que ce soit à Bruxelles, à Paris ou à Lyon, vous ne trouverez pas un élu qui va vous dire « je vais contraindre la mobilité ». Juste pour rappeler, vous pouvez poser vos questions avec un numéro qui va s'afficher dans un instant. Je peux vous le rappeler, le 07 67 00 68 61. On pourra les poser, c'est très simple. Vous envoyez juste un petit SMS. Là, pour le coup, le mode d'emploi est facile. Oui, je voudrais juste compléter, puis en même temps rebondir sur les propos d'Yves. Pour revenir au débat, pourquoi c'est venu ce thème de le retour des villes forteresses, point d'interrogation en fait, hein, ça serait bien de rajouter un point d'interrogation. Ce que l'on voit au niveau national, et puis également sur Lyon, bon, alors, il y a des débats de campagne qui vont démarrer, des campagnes électorales pour les municipales, mais c'est la première fois où la mobilité, je pense que c'est dû à la crise des gilets jaunes, vient au centre des sujets politiques au sens affaires de la cité. Et on voit bien que c'est le lien entre la ville, centre, la métropole, et son territoire environnant qui est vraiment en jeu dans ces questions-là. Si on en reste à dire « je dois protéger ma population », donc je fais des interdictions de circulation. On sait que les interdictions de circulation critère 3 et plus, ça concerne en fait les véhicules anciens, puisque c'est la base des critères. Les véhicules anciens sont possédés par les gens qui ont les plus faibles revenus. Critère 3 et plus, c'est 60% du parc. Donc quand la ville de Lyon, la métropole, interdit aux critères 3 et plus, elle interdit à 60% des gens d'aller travailler. Alors que ces gens, on l'a vu, n'ont pas de solution. Donc on veut faire monter le vote populiste ou extrémiste en périphérie, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, et je pense que c'est des discours qui sont extrêmement dangereux pour la cohésion de nos territoires et de nos sociétés. Et donc, c'est vrai que les Français détestent la taxation, adorent les interdictions. Voilà. Il y a deux manières de réguler, soit on interdit, soit on taxe pour inciter. La taxe carbone, on s'y est rangé assez tardivement dans notre pays, notamment les écologistes, et on a vu qu'une augmentation de la taxe carbone de manière indifférenciée sur les carburants a conduit à une crise majeure comme on n'avait pas connu depuis 50 ans. Une étude du Conseil général de développement durable et de la Direction générale du Trésor du ministère des Finances montre que la voiture, quand vous comparez ce qu'elle coûte en entretien des routes, y compris les externalités, ce qu'on appelle donc la pollution, les accidents, etc., elle couvre, par rapport aux recettes, elle couvre 125% de ses coûts en zone rurale et 20% en zone urbaine. Donc, si on pouvait le faire, il faudrait diminuer de 25% le prix de l'essence en zone rurale et l'augmenter, le multiplier par 5 en zone urbaine. Donc, évidemment, ce n'est pas possible, mais vous voyez bien qu'il faudrait quand même quelque part que l'on fasse payer les coûts de ces affaires-là de manière progressive. Mais, comme le dit Yves, on ne peut pas mettre de contraintes sans apporter d'abord des solutions.
Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est quand même, je construis, il y a un timing pour faire ça, un phasage. Il faut d'abord construire ces solutions, on voit qu'elles vont coûter assez cher, et ensuite apporter, mettre un peu de contrainte, soit en réduction d'espace, c'est ce qu'on a fait, comme on le disait, avenue Berthelot, quand on fait un tramway, on supprime deux voies de circulation, soit effectivement par l'augmentation du prix d'usage, du coût d'usage de la voiture, qui avec l'électrification, par rapport à ce que disait Yves Crozet, va encore être divisé par deux, dès aujourd'hui, on va dire, ça arrive. Voilà, les hybrides rechargeables, c'est les véhicules qui aujourd'hui sont mis sur le marché aujourd'hui et ils commencent à baisser en gamme puisque maintenant on trouve des moyennes, hein, des moyennes berlines qui sont à 1,5 litre, 1,6 litre au 100 à 30 grammes de CO2. Ils divisent par 4 les émissions de CO2 et ils divisent par plus de 2 la consommation d'essence et donc le prix de revient. C'est-à-dire que le 20 centimes va devenir assez proche du 10 centimes, assez proche des transports en commun urbain avec abonnement, participation employeur. Donc si on ne fait rien, l'usage de la voiture, il va augmenter. Pierre-Jean Zanettacci, on va essayer peut-être de voir avec toutes les solutions, quelques solutions qui ont été apportées ici. Est-ce que vous voyez peut-être... Moi, je vais être un peu provocateur quand même. Parce que... des choses qui sont faisables directement chez vous. En tant qu'élu, bon, on est en train de réfléchir à des solutions. Voilà, il faut effectivement aider les gens à se déplacer, à venir travailler, etc. Mais quand on voit votre carte que vous avez présentée tout à l'heure sur la métropolisation... Okay. Est-ce que c'est aussi la bonne solution ? C'est-à-dire, quelque part, de créer cet aménagement du territoire qui concentre, je crois, à l'époque, Gérard Collomb, qui était un grand défenseur des métropoles, avait présenté ça avec 14 pôles métropolitains, enfin, pas métropolitains, mais 14 tâches de population et tous ces espaces vides au milieu. Voilà. Est-ce que c'est la bonne solution cohérente de, je pose la question, hein, en termes d'aménagement du territoire, voilà, laisser justement, je dirais presque maintenant à l'abandon, hein, puisque bon, encore nous, sur, on va dire dans le Rhône, on a quand même la chance d'être à proximité d'une métropole, on n'est pas très loin, mais dans les autres, vous avez quand même des territoires qui sont très éloignés des métropoles et qui n'ont plus ni moyens de transport, parce que les petites lignes de TER, plus personne ne veut les entretenir, c'est pas assez rentable. Vous avez également donc tous ces services publics qui partent, voilà, donc c'est un peu mon volet politique, mais enfin, peut-être pas le sujet du débat, mais c'est aussi quand même quelque part voilà, ce problème de déplacement qu'on essaye de régler, c'est aussi par la conséquence peut-être de cet aménagement du territoire qui n'est pas forcément très, très cohérent, enfin pour moi en tout cas. Voilà, c'est... C'est pas l'objet du... Mais enfin, c'est déjà une solution. Si on n'avait pas fait ces grandes concentrations d'emplois, même si, effectivement, les territoires périphériques, par ruissellement, arrivent à récupérer un peu d'emplois, mais le déséquilibre est fort, quand même. Non, mais vous avez raison. On est, depuis des décennies, dans des phénomènes de polarisation. C'est parce que quand vous regardez les recensements des départements français au long du 19e siècle, les départements ruraux perdent la population... à partir du moment où arrive le chemin de fer. C'est ça. Quand le chemin de fer arrive dans la Drôme, la population de la Drôme a tendance à diminuer si vous enlevez Valence. Et c'est pareil sur toute la France. Et donc, bien sûr, quand vous avez apporté les autoroutes et le TGV, donc le phénomène de polarisation vient de l'augmentation des opportunités offertes aux individus par l'accès à la vitesse. Voilà, il y a 150 ans, Français, nous faisions en moyenne 4 km par jour, essentiellement à pied. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 40 km par jour et par Français. Et ceux qui ont des professions un peu bizarres comme la mienne, c'est plutôt 300 à 400 km par jour. Je ne vous dirai pas combien en fait Eric, parce que c'est encore bien pire. Donc vous voyez bien que le phénomène de métropolisation est un phénomène qui vient de la hausse de notre pouvoir d'acheter de la mobilité qui nous permet dans la journée d'aller de Lyon à Paris et de revenir le soir sans être plus fatigué que si on avait fait 10 km en vélo. Donc la mécanique fondamentale, c'est celle de l'enrichissement collectif. Et cet enrichissement fait que les territoires se retrouvent aujourd'hui en décalage complet. La carte que Jean a montrée, qui est terrifiante, hein, où vous voyez les points jaunes des métropoles, et puis toute une diagonale du vide, hein, du nord-est au sud-ouest, où vous avez systématiquement des pertes d'emplois. Face à ça, on ne peut pas imaginer qu'on va revenir sur une distribution homogène des populations en disant aux Lyonnais, aux Parisiens, vous allez vous réinstaller dans la Creuse, dans la Corrèze, de façon forcée, parce que l'assignation à résidence, ça n'existe pas, mais en plus, ça ne serait pas performant. Donc il faut savoir comment ces choses-là vont pouvoir fonctionner.
Et il ne faut pas oublier d'aller regarder comment fonctionnent ces territoires qui étaient en bleu sur la carte, parce que ce n'est pas non plus la catastrophe. C'est-à-dire que si vous allez à Nevers aujourd'hui, ou si vous allez à Moulins, vous voyez effectivement des zones qui sont beaucoup moins dynamiques que ne l'est par exemple Mâcon, qui est sur un bon axe. Mais ça signifie pas que c'est la catastrophe pour autant, d'abord parce qu'il y a des services publics qui continuent à exister, et qu'il faut aussi penser le mode de fonctionnement de ces zones moins dynamiques par rapport aux métropoles. Mais on ne reviendra pas en arrière sur cette orientation-là. J'ai pas dit ça, hein. J'ai juste dit, parce que je suis aussi comme défenseur des métropoles, hein. C'est pas ça. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un puisse, même si on a gagné de la vitesse, comme vous dites, du pouvoir de déplacement rapide, est-ce qu'il est normal quand même que quelqu'un consacre, on va dire, deux heures et demie de son temps journalier pour aller travailler? Est-ce qu'il est normal que quelqu'un puisse, comme ça, naturellement, maintenant, faire 100 km pour aller de l'Arbrel à travailler dans l'Est lyonnais? Et voilà. Et donc, c'est ça. Et après, nous, en tant qu'élus, par exemple, qui essayons quand même de défendre de l'emploi sur nos territoires, pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, ça crée une richesse économique pour les collectivités, il ne faut pas l'oublier. Et d'autre part aussi, pour justement limiter ces déplacements, proposer de l'emploi sur les territoires, on est confronté dans les directives d'aménagement du territoire prenées par l'État, donc moins de consommation foncière, je le disais, des zones d'activité qui sont extrêmement difficiles à sortir, parce qu'il y a aussi la protection des zones naturelles sensibles et également des territoires agricoles. C'est compliqué. Mais faut, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien, mais n'oublions pas que c'est un problème d'opportunité. Quand vous êtes dans Paris, le nombre d'emplois accessibles en 20 minutes est absolument gigantesque. Oui. Et pourtant, les Parisiens passent en moyenne 90 minutes par jour dans les transports. Quand vous êtes à Lorient, le nombre d'emplois accessibles en 20 minutes est beaucoup plus faible qu'à Paris. Et pourtant, les Lorientais ne passent que 40 minutes par jour dans les transports. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à Lorient et que vous avez fait 20 minutes, il n'y a plus rien. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Il n'y a plus rien. Donc vous restez dans la zone qui vous est offerte. Les opportunités sont modestes. Quand vous êtes à Paris et que vous avez fait 10 minutes de transport, si vous rajoutez 10 minutes, le nombre d'emplois possibles est extraordinaire. Et vous allez voir ce qui va se passer avec le Grand Paris Express qu'ils sont en train de faire. Le temps moyen de transport des Parisiens va augmenter, contrairement à ce qu'avait dit M. Sarkozy, parce qu'il ne comprenait pas la mécanique, puisque ça va augmenter les opportunités. Donc si je peux aller à 100 km/h dans un métro automatique de l'Est à l'Ouest de Paris, eh bien, je vais le faire, si l'emploi l'en vaut le coup. Donc vous comprenez bien qu'on est dans un monde où on a des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'on a des problèmes d'opportunités extrêmement nombreuses, et on a les moyens d'y répondre, fût-ce en passant 90 minutes dans les transports. Et tous les Parisiens se plaignent du fait qu'ils passent trop de temps dans les transports. Et tous les élus disent « Ah bah oui, on va arranger ça, on va vous faire des métros rapides et vous passerez moins de temps dans les transports. Voilà. » Ils n'ont rien plus au film, c'est tout. Oui, pas convaincu. Oui, j'ai pas répondu à votre question, pardon. Tout à l'heure, vous m'aviez lancé une question. Si, vous avez répondu. C'était ça, bon, d'accord. Vous voulez réagir? Oui, non. Je pense que ce qui est souligné ici, c'est la décorrélation entre l'endroit où on vit et l'endroit où on travaille. Alors c'est vrai que tout le monde tape sur la voiture. Il ne faut quand même pas oublier que la voiture, ça a permis de chercher plus loin ce qu'on ne pouvait pas trouver à proximité, en l'occurrence un domicile, à des coûts abordables. Alors, Pierre-Jean l'a très, très bien dit, hein, je trouve. Parfois, il y a des gens qui le font par choix pour chercher du confort, etc., par agrément, comme tu le disais, et parfois d'autres le font aussi par contrainte. Voilà, quand on a un prix du logement multiplié par 3 en 20 ans sur Lyon, c'est clair que ça pousse effectivement, avec ces moyens-là, à aller chercher plus loin. La question, c'est jusqu'où on va. Le deuxième point que je voudrais souligner, effectivement, il y a des contradictions certaines en termes d'urbanisme. Donc, les politiques de mobilité et d'urbanisme sont quand même très liées, elles sont liées, mais elles ne sont pas politiquement coordonnées. Aujourd'hui, vous avez, alors je peux en témoigner, vous avez des communes de première périphérie de la métropole lyonnaise qui ont gelé depuis 20 ans leur PLU. Il n'est pas possible de construire, ou alors qu'ils l'ont serré de manière très très forte. Voilà, j'habite dans une commune où on a pris 200-300 habitants en 20 ans. Donc c'est sûr que là, du coup, ça fait monter les prix de l'immobilier pour les heureux habitants de ces communes-là, mais ça oblige les autres à aller encore un peu plus loin. Ça, il va falloir que ça change, quoi.
Donc on ne peut pas dire j'habite à l'extérieur de la métropole, effectivement je veux y accéder si possible en 20 minutes à des tarifs très bas, et en même temps de dire chez moi c'est la campagne et j'accepte aucune urbanisation. Donc si la métropole, je pense qu'il va falloir rentrer dans un jeu un peu de discussion quasi de contractuel. La métropole a quelque part un peu le droit de se protéger contre l'invasion de l'automobile, de l'espace public, d'abord la pollution, même si c'est extrêmement exagéré, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais en même temps, elle peut aussi demander à ces territoires, s'il y a mis en place des solutions, de dire ok, mais là, vous ouvrez aussi un peu à l'urbanisation, parce que ce n'est pas possible qu'on aille chercher de plus en plus loin, parce que ça pose des tas de problèmes. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, on confond en France étalement urbain, qui est vilipendé par tout le monde, et éparpillement urbain. Vous allez en Suisse, vous avez un système de train qui est évidemment d'une efficacité redoutable parce qu'ils ont, mis le paquet sur le truc, donc ça part à l'heure, ça arrive à l'heure et ça ne tombe jamais en panne. Et effectivement, il n'y a pas de droit de grève, ça, c'est très pratique. Ça, c'est autre chose. Me souffle mon voisin. Mais vous avez des gens qui habitent à plus de 100 km de leur lieu de travail, sans que ça soit forcément un problème, parce qu'ils ont justement mis en place un système. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous obligés d'habiter dans la métropole de Lyon, qui évidemment ne peut pas accueillir, je rappelle, la métropole de Lyon, 1,2 million d'habitants, l'aire urbaine, c'est 2,3 millions. La métropole de Lyon ne peut pas accueillir 1,1 million de personnes en plus, évidemment. Donc, si on avait des lignes ferroviaire et qu'on gérait l'urbanisme autour des gares de manière assez concentrée, c'est ce qu'a fait la Suisse, ça s'appelle de l'étalement urbain stratégique, bien pensé, c'est ce qu'a fait Copenhague aussi. Si par contre vous laissez les PLU avec un mitage à tout va, vous avez de l'éparpillement urbain qui est extrêmement compliqué à desservir en transport commun parce que vous n'avez pas de flux massifié facile à organiser. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut avoir une politique sans doute urbanisme et mobilité qui soit plus coordonné. Je pense qu'il faut passer des deals entre les métropoles et les communautés urbaines. Il va falloir trouver des financements pour mettre en place ces alternatives et on ne pourra pas s'affranchir de contraintes sur l'usage de la voiture, je pense, dans le futur. On va terminer sur une note optimiste avec Éric Chahéron. Je rappelle que vous êtes travaillé chez Keolis. Oui. Alors, une note optimiste, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, alors ça rejoint un peu plusieurs choses qui sont faites, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie des métropoles, en tout cas, qui n'attire plus. Alors, on parle bien des métropoles au sens définition administrative. Voilà. Donc, en gros, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et un petit peu Lyon ont ce qu'on appelle une variation, un taux de variation annuel de la population dû au solde migratoire qui est en légère augmentation annuelle. Mais Paris, Strasbourg, alors Paris, la métropole du Grand Paris ou l'Île-de-France, Strasbourg, Lille, Rouen, Grenoble, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Nice, ont des taux de variation qui sont négatives. C'est-à-dire que globalement, elles croissent encore en population, notamment l'Île-de-France ou Grenoble, parce que l'excédent naturel, c'est-à-dire le nombre de naissances par rapport aux décès, est supérieur à l'excédent migratoire. Et ça masque un peu cette réalité. Il y a effectivement, ce que disait Prozet, les métropoles qui concentrent énormément de richesses, d'emplois, mais en revanche, au niveau du nombre d'habitants, ce que je disais un peu tout à l'heure et ce que Delphine montrait aussi sur cette analyse-là, c'est qu'elles attirent, et notamment le cœur, moins en termes d'attrait des gens. La question d'habitat, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut répondre aux personnes qui la quittent parce qu'ils n'ont pas le choix. Non pas par souhait d'aller habiter à Saint-Germain-de-Nueil ou à Besnay parce que c'est joli, c'est agréable, etc., mais qu'ils la quittent parce qu'ils sont obligés. Comment on va rendre une ville désirable? Est-ce qu'on se trompe pas en disant que c'est la grande hauteur qui est un problème? La grande hauteur, les tours de 15 étages qui sont à la part Dieu. Excusez-moi, je ne sais pas où on est là. Non. Enfin, qui doit être là-bas, mais je ne suis pas sûr. Non. Voilà. Mais les tours de 15 étages qui sont cours Lafayette, il n'y a pas un appartement de ville dedans. Il n'y a pas un appartement de vide. Par contre, les Minguettes, c'est passé de 40 000 à 20 000 habitants, on a détruit des tours. Donc le problème, est-ce que ce n'est pas comment on va rendre désirable une ville et qui soit accessible à bon marché? On en discutait tout à l'heure. C'est fantastique. Le vieux Lyon, en 1960, était voué à la démolition. Le maire de Lyon, Édouard Herriot de l'époque, président radical du Conseil. Il était mort en 60. Non, ce n'était pas Louis Pradel. Il est mort en 57. C'est avant, c'est en 1954, pardon. C'était en 1900, avant sa mort, oui. Il disait, parce que c'est Édouard Herriot qui l'a dit. Après sa mort, c'était difficile. Ça devait être en 1954 qu'il l'a dit. Le vieux Lyon est un ramassis de taudis.
tout juste bon, rajoutait-il, pour les équarisseurs. Et donc on devait préserver la cathédrale Saint-Jean et détruire tout le reste. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le violon ne correspondait pas aux normes de la modernité. Pas de possibilité de stationner de voiture en bas. Hauteur, comment dirais-je, immeuble haut avec peu de lumière dans les appartements, pas d'ascenseur, propreté, enfin problème d'hygiène, etc. Donc de toute façon, ça coûtait moins cher de tout détruire. Une association de riverains le fait classer. Et donc André Malraux, qui était à l'époque le ministre de la Culture du général de Gaulle, en fait le premier secteur sauvegardé de France qui devient aujourd'hui un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne dis pas que la Duchère, les Minguettes ou Vau-en-Velin vont être classés nécessairement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ceci dit, qui aurait parié que Le Havre ou Royan soit forcément classé un jour ? Donc il faut jamais, on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer. Qui dit que demain, ces endroits-là, qui ont été très bien positionnés à l'époque d'un point de vue géographique, pour faire entrer la lumière dans les appartements, qui ont une très belle vue. Quand vous allez dans les immeubles de la Duchère, vous avez une vue absolument extraordinaire. Villeneuve-à-Grenoble, oui, on peut le trouver aussi au Haut-de-Chambéry, etc. Demain, comment on peut donner en fait envie aux gens qui ne veulent pas quitter la ville de pouvoir habiter une ville désirable et abordable ? Parce que le problème, c'est que les quartiers nouveaux, mais qui sont à 8 ou 10 000 euros le mètre carré, ils trouvent preneur. Donc on est capable de faire de la ville dense qui séduit quand elle est bien conçue. Comment on arrive à faire en sorte de donner envie de la ville quand on n'a pas nécessairement envie de la quitter, mais qu'on la quitte parce que le quartier est mal fréquenté, qu'on a envie éventuellement, pour avoir une maison avec un jardin, d'aller à l'extérieur. Donc là, il y a un vrai défi qui se pose et qui permettrait sans doute de résoudre une partie de cet étalement, enfin, des gens qui choisissent d'aller vivre à l'extérieur. Donc je pense que là, il y a un espoir de se dire que c'est sans doute possible. Juste un deuxième point. Yves, tu as parlé beaucoup du confort. Effectivement, la voiture, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et dans une société aujourd'hui de la longévité, parce qu'on a beaucoup parlé des gens qui travaillent, mais dans une société de la longévité, où aujourd'hui, en France, et dans la ville de Lyon, il y a autant de personnes de plus de 75 ans qu'il n'y a de collégiens et de lycéens. C'était pas ça, hein, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, ils sont aussi nombreux. Les plus de 75 ans, enfin la tranche 75-85 ans, va augmenter de 40% en l'espace de 10 ans, avec l'effet du baby-boom, puisque c'est les premiers enfants des baby-boom qui aujourd'hui ont 74 ans. Donc bien évidemment, cette notion de confort va être encore plus prégnante. Les progrès de la médecine font que dans l'assistance et dans la société entière, il y a de plus en plus de personnes qui vivent en étant en affectation de longue durée. Ils ne vont pas vous le dire dans des réunions, mais une des raisons aussi de choix de la voiture pour le confort, c'est que ce n'est pas fatigant. Parce qu'on a eu un infarctus, 2 500 000 personnes en France en affection longue durée, parce qu'on est en soins de tumeurs malignes, 2 500 000 en France soignées de cette manière-là, parce qu'en fait, peu importe, on est 10 millions de personnes à souffrir de l'arthrose ou à ne pas pouvoir faire de vélo, peu importe, il y a tout un tas de raisons dans la société où, grâce au progrès de la médecine, il y a des tas de gens qui aujourd'hui vivent, alors que peut-être il y a quelques années, selon certaines pathologies, ne pouvaient plus vivre, mais effectivement vont vivre avec un certain nombre de difficultés. Et là, il faut qu'on soit aussi capable, non pas seulement de mettre de l'offre, mais c'est-à-dire en termes de nombre de trajets, mais de travailler sur les éléments de confort. Donc la réassurance en fait partie, mais aussi des éléments de confort physique. C'est un élément qu'il ne faut pas oublier pour arriver à créer du lien autre que la voiture entre les différents territoires. Et donc, n'oublions jamais les occasionnels. Je ne vais pas vous donner un chiffre de Lyon, je vais le donner sur Bordeaux. Sur le département de la Gironde, il y a 750 000 habitants, je simplifie, dans la métropole, et 750 000 habitants hors métropole. Il y a 100 000 personnes qui viennent travailler dans la métropole. Ils sont 400 000 à venir de la Gironde au moins une fois dans le mois dans la métropole. Donc 300 000 viennent, ce que je disais tout à l'heure, des rendez-vous professionnels, médicaux, affinitaires, etc. Et cela ne se déplace qu'une fois par mois, deux fois par mois, une fois par semaine. Et le problème, et Yves et Jean l'ont très bien dit tout à l'heure, c'est que tout est fait au niveau de la tarification pour les abonnés TER et les occasionnels. Il y a rarement une tarification attractive qui soit faite pour eux, pour que ce soit simple, combiné, pour aller d'un endroit à l'autre. Prenez, je ne vais pas prendre l'Arbrel, je vais prendre Saint-Étienne-Lyon. On peut effectivement, et j'arrête là, on peut faire le trajet en tant qu'abonné en combinant toutes les formules d'abonnement que vous voulez, y compris Grenoble, Saint-Étienne, Lyon, le TER au milieu,
Mais si vous voulez simplement vous aller de Terre-Noire à Saint-Étienne ou à Bellevue de Saint-Étienne jusqu'à au campus de la Doua-Lyon, vous n'avez pas la possibilité de le faire uniquement sur une journée. Donc voilà. Mais c'est des pistes. C'est-à-dire, moi, je suis un peu optimiste. Je me dis que par l'incitation, pas seulement par l'interdiction, mais par l'incitation, on peut arriver aussi à faire changer des choses. Et pour résoudre les problèmes de pointe, on peut aussi travailler sur comment on peut travailler avec d'autres acteurs de la société civile pour faire en sorte qu'il y ait des étalements de pointe, que les horaires d'équipement, d'enseignement, etc., changent leurs heures pour effectivement diminuer aussi la pression de la pointe. Ça peut jouer, alors c'est difficile. Moi, je crois au long terme. Je crois au moyen terme. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, Lyon, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de voiture. On le constate depuis quelques années, mais le métro, il date de 40 ans. C'est-à-dire qu'il faut du temps avant que progressivement les choses changent. Quand le métro de Bonnevay, le parc relais de Laurent Bonnevay a été mis en place, il était à moitié occupé en 78. Et maintenant, il suffit d'ouvrir 1000 places à un terminus de métro pour qu'elle soit tout de suite occupée. Donc il faut laisser un peu de temps au temps. Et c'est pour ça que je suis un tout petit peu plus optimiste que Jean et Yves par rapport au covoiturage, en lui donnant le temps, notamment sous la forme du spontané, de monter en puissance. Aujourd'hui, on est trop dans l'instantanéité. Il faut expliquer, donner du temps. Mais c'est pour cette raison-là que je suis un petit peu plus optimiste. Excusez-moi. Il y a pas mal de questions qui ont mis du temps à arriver parce qu'il y avait un petit problème. Mais bon, elles sont bien ici. Vous êtes nombreux à poser la question de, comme solution, peut-être le télétravail. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Étudier le télétravail. Le télétravail, il y a une étude qui vient de sortir, je crois, aujourd'hui sur le sujet. 3% des salariés français télétravailleraient, sans doute un petit peu plus avec les assouplissements de la définition du télétravail qui vient d'être opéré cette année par le gouvernement. Je pense qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut aller chercher les marges un peu partout. Étalement d'heures de pointe, moi je suis... L'heure de pointe, elle est déjà aujourd'hui très étalée, ce qui prouve quand même qu'il y a un étalement déjà des rythmes de vie, une diversité des rythmes de vie. Mais sur le télétravail, voilà, tout le monde n'est pas forcément éligible au télétravail. Lorsque vous êtes dans un centre où vous devez être en relation avec le client de manière physique, le télétravail, c'est compliqué. Donc c'est peut-être valable pour certains employés, pour certains cadres, mais sans doute pas pour une grande majorité de la population. Mais ceci dit, pourquoi pas aller chercher des choses de ce côté-là. Je vais revenir quand même là-dessus. Donc on disait 3%, et sans doute beaucoup plus aujourd'hui des gens qui déjà télétravaillent. Donc il y a déjà des choses qui se font sur ce sujet-là. Sur le taux d'occupation, par exemple, le nombre de personnes par voiture, ça c'est un chiffre qui va sortir, je pense qu'il va faire... C'est pour ça aussi que je suis un peu plus pessimiste sur le covoiturage aujourd'hui qu'hier, parce que je pense que ça peut être aussi une partie de la solution. Il y a des relevés qui sont faits aujourd'hui de manière physique. Aujourd'hui, on travaille avec des enquêtes ménages et placements. C'est-à-dire qu'on fait des sondages tous les 10 ans auprès de dizaines de milliers de personnes pendant 6 mois pour essayer d'avoir une photo de la mobilité sur un territoire. Donc l'agglomération de Lyon, la dernière enquête ménage date de 2015. On se rend compte que les chiffres donnés sur les déplacements individuels en voiture sont souvent d'une précision, on va dire, toute relative. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ceux qui ont le bonheur de se plonger dans les matrices origine-destination. Sur A86, je vais être très court, sur l'autoroute A86, il y a des tests qui sont faits par le biais de caméras pour pouvoir verbaliser, lorsqu'il y aura des voies réservées covoiturage, pouvoir verbaliser ceux qui ne sont pas en covoiturage. Les taux d'occupation mesurés dans les voitures sur la 86 aujourd'hui sont entre 1,5 et 1,6 personnes, là où toutes les enquêtes ménages vous disent que c'est 1,1. Donc en fait, il y a beaucoup plus de gens qui covoiturent que ce qu'on pense, et sans doute pour le télétravail aussi. Autre point, on félicite celui qui a expliqué qu'il allait falloir contraindre les automobilistes pour justement délaisser un petit peu la voiture. C'était vous. Et la question qui suit, c'est quel sera l'impact du coup du déclassement de la 6 à 7 ? Déclassement ? Oui. Tout dépend de ce qu'on entend par déclassement. Si c'est ce qui a été fait actuellement, l'impact est nul. Oui. Il ne se passe rien. C'est après. Si vous déclassez vraiment, c'est-à-dire que vous dites je vais faire un tube réservé au transport en commun, covoiturage et transport en commun, et un tube réservé aux voitures ordinaires. Là, vous cassez complètement le débit, puisque le débit de cette autoroute, c'est au-delà des normes de sécurité. On est à 100 000 véhicules par jour
pour une deux fois deux voies, alors que les ingénieurs de trafic nous disent 70 000, 80 000 véhicules par jour, ce qui veut dire que tout le monde roule en infraction par rapport aux règles de sécurité. S'il y a un accident, tout le monde fait un gigantesque carambolage. Ce qui veut dire qu'au passage, si vous mettez des véhicules autonomes guidés, automatiques, le débit du tunnel des Fourvières va diminuer et non pas augmenter, contrairement à ce que racontent certains ingénieurs. Donc le véhicule autonome n'est pas une solution pour ça. Donc si vous dites « je casse complètement le débit à Fourvière », ce qui fait que la queue le matin, ce n'est pas 20 minutes. Et pourquoi c'est 20 minutes? Parce que si vous ne prenez pas Fourvière et que vous faites le tour, de toute façon, vous perdez 20 minutes. Donc, quand vous êtes sur un TomTom, vous prenez dans votre voiture, vous avez votre TomTom, vous arrivez à Lyon, vous venez de peu importe, et vous vous dites que vous voulez aller à Valence. Si la queue est de moins de 20 minutes, le TomTom vous emmène sur Fourvière. Voilà, donc, vous voyez que les choses... Et donc, la queue de 20 minutes à Fourvière, c'est une queue normale. Ce n'est pas du tout de la congestion. C'est quelque chose de normal entre deux itinéraires possibles. Et si vous sortez de l'autoroute et que vous essayez de prendre la rue Marieton, alors là, amusez-vous et ensuite ressortir de Lyon, etc. Donc le tunnel de Fourvière, c'est une opportunité absolument fabuleuse qui a été offerte, notamment en heure creuse, pour rentrer et sortir de Lyon. Et n'oubliez pas que ce tunnel qui devait être autoroutier pour traverser Lyon, bah de chaque côté, vous avez 5 ou 6 entrées. Dans les 300 mètres qui précèdent l'entrée et la sortie, c'est ça qui fait les bouchons. C'est ceux qui prennent l'escargot près du pont Kitchener, ceux qui rentrent en venant du pont Gallieni, ceux qui rentrent, etc. Donc, on en a fait une autoroute urbaine, on en a fait quelque chose qui dessert des territoires. Donc, c'est normal qu'il y ait de la congestion. Si on veut vraiment casser tout ça, ben, il va falloir dire où vont passer, c'est ce que disait Jean tout à l'heure, où vont passer les flux, les 50 000 véhicules jour, qui ne passeront plus par le tunnel de Fourvière. Et pour l'instant, on ne sait pas où les faire passer. Je voulais juste insister là-dessus, parce qu'il y a des débats à Paris. Alors moi, j'ai la chance d'habiter Paris la semaine. À Paris, il y a un gros débat, faut-il supprimer le périphérique? Les 80% des usagers du périphérique à Paris ne sont pas des gens qui habitent dans la commune de Paris. Et il y a fort à parier que sur le périph' lyonnais et la 6 à 7, l'essentiel des gens qui prennent le périphérique et la 6 à 7 n'habitent pas à Lyon-Villeurbanne. Voilà, ils habitent à l'extérieur. Donc si vous supprimez demain, parce que c'est une espèce de théorie un peu folle, de dire on va supprimer les périphériques. Alors, d'abord, c'est idiot, parce que ce qui va se passer, vous allez diffuser tout le trafic dans les rues adjacentes de part et d'autre. Donc ça sera de la congestion XXL, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Une fois de plus, c'est dangereux d'un point de vue opposition des territoires, puisque c'est vraiment je protège la ville-centre et je fais un gros bras d'honneur à tous ceux qui habitent à l'extérieur. Et puis c'est aussi démagogique, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle un discours populiste, voilà, populo-écologiste, on pourrait dire. Est-ce qu'on trouve d'autres solutions chez nos voisins européens ? Alors. Oui, alors vous avez la Suisse que Jean a citée, avec un très bon système de transport en commun. N'oubliez pas que le budget temps de transport des Suisses est supérieur au budget temps de transport des Français, parce que justement, ils doivent prendre le train, et que prendre le train, ça fait des contraintes. Parfois, il y a du retard, et puis il faut arriver un petit peu avant l'heure, puis il faut se rendre à la gare, etc. Mais c'est un choix qui a été assumé, qui est tout à fait cohérent. Si vous allez à Oslo, vous trouvez des solutions qui sont assez performantes, avec des contraintes très très fortes sur l'usage de la voiture. On va interdire les voitures qui ne sont pas électriques en centre-ville. On va faire payer très très fort les places de parking ou les limiter. Voilà, donc vous avez des options, mais ces options passent toujours par un mécanisme de contrainte. Vous allez à Monaco aujourd'hui en voiture, il y a seulement 1000 places sur la voirie, il faut payer. Et il y a 18 000 places dans les parkings. Donc vous êtes obligé d'aller dans les parkings, qui coûtent relativement cher. Donc ce qui veut dire qu'en régulant les parkings, ils peuvent réguler les flux. Ils peuvent limiter le nombre de voitures qui rentrent, simplement en limitant le nombre de places dans les parkings. Ils ont 18 000 places avec 10 000 personnes en liste d'attente. Vous voyez que le problème est qu'avec la voiture, on n'ose pas dire que c'est tellement fabuleux. C'est comme le champagne. Hein. Moi, j'adore le champagne. Mais il paraît que si j'en bois trop, c'est dangereux. Donc j'évite d'en boire tous les jours. Voilà. La voiture, c'est pareil. C'est tellement fabuleux qu'on est complètement accro. Quoi. Enfin, et c'est logique, c'est tout à fait rationnel. Et donc la raison publique, c'est de dire à la raison privée, on va être obligé de vous mettre petit à petit un certain nombre de contraintes. Le tramway, c'était ça. Hein. L'utilité du tramway, c'était d'enlever... Regardez à Paris, ils ont fait le T3 et le T2 sur les boulevards des Maréchaux. En apparence, c'était stupide. Il y avait la petite ceinture ferroviaire qui était juste à côté. Il fallait mettre le tramway sur la ceinture ferroviaire. Pourquoi ils l'ont mis sur le boulevard des Maréchaux ? Pour enlever les voitures.
Oui, mais... Et qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, eh bien, on voit que le trafic a augmenté sur le périphérique, qui n'est pas loin, mais par contre, on a apaisé le boulevard des Maréchaux, on a fait monter la valeur foncière, et vous avez 200 000 personnes par jour dans le T3. Oui, mais tout ça tient également aussi, enfin, c'est Jean qui le disait tout à l'heure, c'est aussi quand même un moyen financier. C'est-à-dire que quelque part, toutes ces contraintes qu'il est peut-être même à la limite facile d'imposer, hein, on peut toujours dire on n'a plus le droit d'eux, et puis on verbalise. Mais il faut proposer des solutions alternatives et les construire. Et c'est là où on est en difficulté. Nous, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Sur notre communauté de communes, on a une ligne de chemin de fer. Bah, justement, je parlais tout à l'heure de la ligne tram-train Saint-Bel-Gorge-de-Loup, qui sert également donc à une partie fret sur l'extension, enfin sur le bout de la ligne entre Saint-Bel et Sainte-Foy-l'Argentière. Il y a des carrières, voilà, donc il y a deux trains par jour de fret qui passent. Voilà. La SNCF coupe la ligne. La SNCF coupe la ligne tout simplement parce qu'il n'y a plus d'entretien depuis des années. Voilà. Et on a appris que tous ces réseaux capillaires, toutes ces petites lignes qui sont à la fois du fret, voire pour sur certains territoires de l'usager, du transport passager, sont coupées parce qu'on ne peut plus les entretenir. La capacité financière, la ligne de crédit allouée aux lignes capillaires pour l'entretien de ces lignes au niveau national, c'est 10 millions d'euros. La réfection de la ligne de l'Arbrel, c'est 10 millions d'euros. Voilà. Donc, si on n'est pas capable de donner des solutions alternatives, que ce soit le train, que ce soit d'autres choses, des véhicules, ce que vous voulez, voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les capacités financières, visiblement, d'aller chercher d'autres solutions alternatives, ou du moins performantes, qui permettent aux gens de se tourner vers d'autres choses. Je le vois comme ça. Une dernière question, parce que l'heure, c'est l'heure. Est-ce que le péage urbain est une solution ? Dans l'absolu, pour nous, économistes, c'est une évidence. Quand vous devez réguler des flux, il y a deux options, les quantités ou les prix. Donc soit vous régulez par les quantités, vous réduisez la taille de la voirie, ce qui a été fait partout. Hein. Vous allez dans toutes les villes, on a mis des rues piétonnes, on a réduit les voiries, on a mis des ronds-points, on a mis des feux, et on a dit on régule par ce qu'on appelle la congestion. Voilà, ben vous allez perdre du temps. Vous venez dans la ville. En Italie, ils ont des superbes plans en Marguerite. Vous rentrez dans Florence. Vous ne pouvez pas ressortir, sauf par là où vous êtes entré. Parce que, voilà, on a des systèmes de Marguerite. Donc, voilà, aujourd'hui, ben vous pouvez traverser encore Paris du nord au sud. Voilà, c'est... Donc, si vous ne voulez pas réguler par les quantités, ben une autre option, c'est de réguler par les prix. Mais là, effectivement, ça veut dire que ceux qui vont circuler, ben, sont ceux qui ont les moyens de payer. Ou peut-être... Il faudra trouver des systèmes plus intelligents en disant ben, on va faire payer, mais si vous covoiturez, ce sera gratuit. Voir si covoiturez, on peut vous subventionner avec l'argent de ceux qui ont circulé tout seuls. Parce que la question du péage, pour nous, économistes, est évidente, mais elle pose des problèmes d'équité très importants. Et on ne peut pas penser le problème de péage tant qu'on n'est pas pensé le problème de la redistribution de l'argent qui vient du péage. À Stockholm, ils ont mis un péage urbain en place. Ils ont fait voter 6 mois après. Ceux qui étaient dans la zone de péage ont voté pour. Il est maintenu. Parce que l'argent du péage a servi en grande partie à augmenter l'offre de bus. Donc il y a eu un donnant-donnant. Et ceux qui sont en extérieur de la zone de péage, ils ont voté contre. Mais comme ce n'est pas eux qui décident, il existe toujours. Ouais. Alors, oui, très court. Donc la question du péage urbain, aujourd'hui en France, elle est tout de suite vue comme quelque chose d'antisocial. Interdire 60% du parc de circuler, moi je suis très étonné que personne ne trouve ça antisocial. C'est extrêmement antisocial parce que les 60% en question, c'est ceux qui sont possédés par les ménages les plus faibles. Et puis il y a péage urbain et péage urbain. Londres, c'est un péage urbain sur une zone très petite à 16 euros par jour. Oslo, que tu citais, un péage entre 0,6 et 1 euro par passage. Ce qui leur a permis de faire en 10 ans, c'est l'histoire qu'ils racontent, hein, en 10 ans, ce qui était prévu de faire en 35 ans. Donc une fois de plus, moi j'en reviens à Greta Thunberg, soit on fait les choses en 10 ans, effectivement, ça va grogner, on peut faire des choses en exonérant les plus faibles, en ayant une équité territoriale. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui payent une taxe qui s'appelle le versement transport, qui sont sur la métropole de Lyon, à la limite de la métropole de Lyon. Cette taxe est affectée au transport en commun pour leurs salariés, qui pour la grande majorité ne viennent pas de Lyon. Donc des gens payent pour des services qu'ils n'ont pas, en clair. Donc l'intérêt d'un péage urbain, c'est qu'effectivement, il permet de financer en 10 ans et non pas en 35 ans les milliards dont on aura besoin sur Lyon pour construire ces alternatives. Il faut le mettre en place de manière
après qu'une fois que les alternatives soient existent. Et ensuite, il faut effectivement veiller à une équité territoriale, mais c'est tout à fait faisable. Pour ma part, je suis convaincu qu'on n'y échappera pas, sauf à raconter des histoires. On aime les histoires. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous aussi, parce que vous avez posé beaucoup de questions. On n'a pas pu tout poser. Mais merci en tout cas d'avoir été à l'écoute et attentif pendant cette conférence. Très bonne journée et à bientôt. Merci.